sera en deux parties. D'abord, je vais vous préparer avec un briefing sur les effets spéciaux d'Armageddon en français. Par contre, pendant cette présentation, vous aurez une vidéo qui, elle, sera en anglais. Donc pendant la vidéo Tous les francophones, vous trouverez un sous-titrage français en haut à droite sur le petit écran. Après quoi, on ira tous ensemble dans un énorme vaisseau spatial sur le plateau de tournage. Et là-bas, le spectacle est visuel, donc peu importe que vous parlez français, anglais, allemand, russe, espagnol, enfin, tout se comprend avec les yeux. Voilà. So, ladies and gentlemen, one more time, welcome in Armageddon, the special effect show. My name is Loïs and I'm going to stay with you for a presentation. I will do it in French. So if you don't speak French, no panic, you will find any subtitles on the two small screens, the French, German, Spanish on the right side, English, Netherlands, Italian on the left side. After the presentation, we will go all together in a big spaceship, and inside of that spaceship, the show will just be visual, so you will not need to understand French at all. J'ai une question avant de commencer. Avez-vous déjà vu le film de Michael Bay, Armageddon? Have you ever watched Armageddon before to come to that show? Yes, non. Qui n'a jamais vu ce film? Never watch it. D'accord. Ok, on a pas mal par ici. Mais écoutez, on va rattraper le retard de tous ceux qui ont levé la main ici. On va regarder le film. Ça dure 2h37 et on commencera après ça. Alors voilà, ça explose dans tous les sens, vous avez de la chance, vous avez épargné le film dans sa totalité, mais on a sélectionné cette séquence qui vous concerne très particulièrement, parce qu'à partir de maintenant, les gars, on considère que vous êtes tous nos acteurs. Et ensemble, on va tourner donc une nouvelle séquence pour le film Arma. Ouais, les gars, vous êtes bien les acteurs, on n'est pas le casting, hein, faites-moi votre mine. Ok, pas de panique, Loïs. En fait, je suis chargé de faire de chacun d'entre vous de véritables stars. Alors déjà, on parle d'effets spéciaux au Studio 7, et vous allez vous amuser, hein, parce que c'est un morceau de choix qu'on vous a réservé, une séquence vraiment spéciale. Sachez tout d'abord que c'est sur le plateau des effets spéciaux, dans ce genre d'endroit, que le cinéma réalise ses plus grands tours de magie. Alors, on est capable, en effet, grâce aux effets spéciaux, de réaliser tous les rêves des cinéastes, comme faire exploser la station orbitale de Michael Bay, mais ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Juste, en guise d'introduction, je vais simplement vous rappeler que cette aventure a débuté il y a un peu plus de 100 ans, en 1902, quand un jeune réalisateur français, il s'appelait Georges Méliès, c'est lui qui a inventé l'art des effets spéciaux. Fresh air, please. I should have seen that one coming. Here on the special effects stage, we have to be ready for anything. Woo! Real cute, fellas. When they say action, they mean it. The job of the special effects team is to make it seem bigger and more exciting, to take us anywhere we can imagine. How about that? It is a small world after all. And in Armageddon, an asteroid as big as Texas
was headed right for it. Hard to believe, this killer asteroid began life as a harmless little styrofoam model. But with some amazing computer enhancements, it became a rock with a really bad attitude. Of course, it was no match for the world's best deep core drillers. That's me, right there. The cute one. But while my buddies and I were blasting through space to save mankind, we had a whole team of special effects artists backing us up. Using a combination of classic movie-making tools and leading-edge technology, they created the X-71 space shuttle, and then launched us on a slingshot around the moon. Crash landing on a killer asteroid? No problem. They even gave us a mean dune buggy to drive around in. In the end, we were able to blow that asteroid off course without ever leaving the safety of the Walt Disney Studios in California. Of course, it's not always so easy. Sometimes actors have to be right in the middle of the action, and on a movie like Armageddon, that can be very exciting in a terrifying kind of way. But you don't have to take my word for it. They're ready for you on the set. I think I'll just sit this one out. But you go on, there's nothing to worry about, really. There's nothing to worry about, right, fellas? Bien, alors rien à craindre, et bien quand même, avant de vous envoyer sur le plateau, les gars, on va se mettre au boulot, hein. Je vous ai dit, vous êtes nos acteurs. On va donc travailler ensemble sur la scène 85A, l'attaque du météore en polystyrène. Alors ça vous promet des explosions massives de cette station orbitale russe à cause de Big Boom. Bah là, vous, un gros morceau de polystyrène qui est ici sur le storyboard, et cet acteur très particulier, vous allez lui donner la réplique, alors laisse-moi vous le présenter, le météore. On voit qu'il y a quelques astéroïdes qui l'accompagnent, et cette masse énorme s'affronte droit sur la Terre. Vous avez rien à craindre, en effet, vous ne serez plus sur Terre. Non, vous allez jouer le rôle des membres de l'équipage de cette station orbitale russe, et donc votre séquence, on va la tenir dans un décor, on a recréé le centre de commande que voici. Une fois dedans, vous entendrez deux personnages, deux voix qui vous accompagnent. La première, elle est mécanique, féminine, c'est l'ordinateur parlant, l'intelligence artificielle qui va tout gérer à bord. Alors tiens, ordinateur, présente-toi, est-ce que tu pourrais... fais-nous un scan de nos acteurs. Système biologique normaux. Ok, vous êtes donc normaux, merci ordinateur. De rien. Je vais lancer ce truc. Et la voix qui va communiquer avec elle à bord sera celle du colonel Andropov. Good morning, comrade. Good morning, colonel. La région pourrait bloquer l'image, freeze. Ok, retenez bien, ce visage, c'est celui d'un chat noir. À cause de lui, pas de happy ends possible aujourd'hui dans Armageddon. Alors tiens, le chat noir vous accompagne dans la scène 85. Ensemble, vous êtes en train de léviter autour de la Terre. C'est un jour comme tous les jours. Alerte. Sauf que l'ordinateur est super inquiète. Elle détecte un gros bout de polystyrène qu'on a fabriqué ici. Encore une fois, ce machin, ça fonce droit sur la planète bleue. Et vous, les gogos, eh ben, vous serez placés juste là, sur la trajectoire du gros caillou. Là, vous allez me dire, la situation commence à sentir le roussi. Du coup, j'ai une question pour vous, les comédiens. Comment est-ce que vous jouez votre rôle? Plutôt soucieux? Plutôt héroïque à la Superman pour exploser le météor avant qu'il ne vous explose? Ben non les gars, c'est Armageddon, il faut jouer la peur. Montrez-moi ce qu'est votre peur. Ok, alors ça c'est la tétanie. Il va falloir jouer avec vos cordes vocales, il va falloir jouer la comédie, et donc voici votre texte. Alors, pas du tout avec cette énergie. Le mot est juste, mais c'est pas ça l'attitude. Je crois que vous avez pas compris ce qui vous attend, les gars. Vous savez quoi? On va se remettre à nouveau. Exactement, parfait. Et on va voir la situation. Imaginez-vous, projetez-vous, vous êtes là-dedans. De 3 minutes, vous êtes dans ce brasier, hein. C'est comme si moi aujourd'hui je vous invitais à ce barbecue intergalactique, et les gars, c'est vous les prochettes. Il va falloir jouer avec cette situation. Puis un détail qui a son importance, c'est pas de la radio, c'est du cinéma, c'est visuel. Il faut qu'on vous voit à l'image incarner ce cri de terreur et de panique. Alors qu'est-ce que vous faites en plus de crier? Ah, qu'est-ce que vous faites de votre corps quand tout explose autour de vous? Exactement, on se protège, on essaie d'esquiver les flammes, on a un réflexe qui est humain, on se met en sécurité. Vous savez quoi? On va se faire une dernière répétition et je vous laisse tranquille. Faites-moi une panique totale à 3 la panique. Vous êtes prêts? 1, 2, 3! One more time, 1, 2, 3! Bon, je compte sur vous quand même pour être les Bruce Willis et les Liv Tyler d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, vous avez personne à y réfléchir, alors mettez-vous dans la peau du personnage et ma foi, bonne chance à tous. Attention, tous les acteurs sur le plateau. Ok, c'est parti, les portes vont s'ouvrir, vous tournerez à gauche jusqu'au plateau de tournage et on vous donnera les dernières instructions là-bas. Ah.
going to blow up the meteorite. That's what she's going to hurt. Attention, les acteurs sont en route pour le plateau. Sorry. Attention tout le monde, on va tourner. Let's get the actors on Mars. Les acteurs, mettez-vous en place. En place tout le monde, rappelez-vous que faites partie de l'équipage de cette station spatiale russe. Donc vous êtes tous russes aujourd'hui. Au début de la scène, sur le hublot à la gauche, vous allez voir la Terre. Et peut-être pour la dernière fois, enfin à droite. C'est plutôt à droite, effectivement, c'est la Terre que vous allez pour la dernière fois en face. Parce que si on va à gauche, à droite, pour le coup, et ben, c'est là qu'apparaîtra le météor géant qui va exploser ce vaisseau spatial. Donc compte sur vous pour faire comme en répétition, vous jouez la peur panique avec un peu plus d'énergie. Ma foi, ce sera juste parfait. On prend les caméras sur vous, souriez, vous êtes filmés et la régie, on peut commencer le tournage, vous êtes prêts? Alors, s'il vous plaît, silence demandé. Quiet on set, please. Fermez le plateau. Envoyez la vidéo. Décor en position. Envoyez la bande-son. Roll down. Ok, lumière. Light. Moteur. Camera. Plateforme. Et action. Good morning, comrade computer. Bonjour, colonel Androgon. Open viewport Alpha. Protection réactivée. What is generator status? Générateur. Opérationnel. Excellent. Alert, engine non identifié, approchons. What is approaching? Enemy is in escape. Open viewport beta. Enemy is in escape. Activate the radar. Radar activé. 1700 km. 800 km. 200 km. This is not good. Auxiliaire. Alerte. Rupture intérieure.